conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Aujourd'hui, le devenir libertin. Eh bien bonsoir, bonsoir et merci d'être là pour cette 45e séance de l'Université populaire. Merci pour votre fidélité, pour votre présence. Je termine cette année pour annoncer l'autre. En même temps, je souhaiterais que cette conclusion, la conclusion de ce séminaire soit aussi l'introduction du séminaire suivant, du séminaire prochain. Je peux dès à présent vous dire qu'il aura lieu ici l'an prochain, même heure, même circonstance, même occasion. Donc je souhaiterais terminer avec Montaigne, puisque je l'ai tué la dernière fois. Je vous ai dit que j'allais le ressusciter, on le ressuscite ce soir. Et on le ressuscite sous la forme d'un libertin, ou du moins d'une pièce majeure dans le devenir libertin de la pensée française. Montaigne avait un petit peu prévu ces choses-là, mais tous les philosophes qui écrivent beaucoup, ou qui écrivent sur beaucoup de sujets, ou qui abordent quasiment toutes les questions, savent bien que la réputation, c'est toujours la somme des malentendus qu'on accumule sur son compte, et les lectures sont toujours problématiques. Ça existe dans le contexte, hors contexte, vous pouvez toujours prélever. Je vais essayer de vous montrer comment la théorie du prélèvement est l'occasion d'une utilisation idéologique de Montaigne. C'est un personnage qui, avec une œuvre foisonnante comme celle-ci, les essais sont ainsi faits qu'ils permettent de fonctionner comme une carrière à ciel ouvert dans laquelle on peut prélever. Montaigne a servi vraiment toutes les causes, toutes les circonstances et toutes les occasions. Vous pouvez trouver un Montaigne chrétien, catholique, un Montaigne athée, vous pouvez trouver un matérialiste, vous pouvez trouver un idéaliste, vous pouvez trouver un quasi-aristotélicien, vous pouvez trouver un critique de la scolastique, il suffit de prélever. Donc c'est à partir du prélèvement, à partir de la sortie du contexte qu'on peut faire dire à Montaigne ce qu'il n'a pas dit. On a passé assez de temps pour qu'on puisse voir aujourd'hui comment les essais fonctionnent comme un livre à part entière. Et Marie de Gournay, puisqu'il faut prononcer son nom, elle est majeure, elle est essentielle, Marie de Gournay est celle qui rend possible une lecture intégrale et digne de ce nom. Montaigne l'avait dit, il a dit « je suis guelf chez les gibelins, gibelins chez les guelfs », c'est-à-dire que partout où il s'exprime, on considère qu'il fait partie soit de ses amis ou soit de ses ennemis, il suffit d'aller lire le texte, de mettre en perspective, de voir ce qui est dit, à quoi ressemble le contexte, de ne surtout pas faire de lecture structuraliste, mais de considérer que la chose est dite, elle est écrite dans un moment précis, dans des circonstances historiques précises, que Montaigne ne les ignore pas, que ce n'est pas quelqu'un qui écrit ex nihilo, il écrit dans son temps, à partir de l'histoire et sous influence de l'histoire. Il faut savoir tout ça pour comprendre l'économie interne des essais. Marie de Gournay est un personnage important, et comme tous les personnages importants, eh bien, on n'en parle pratiquement pas, ou on en parle sur le même principe. Vous verrez, enfin, je vais tâcher de vous montrer comment les premiers qui tirent et qui dégainent et qui balancent les premiers malentendus fabriquent une réputation pendant plusieurs siècles. Les historiens de la philosophie sont ainsi faits que, plutôt que de lire, d'aller voir par eux-mêmes, ils préfèrent lire ce que les autres ont déjà écrit et reprennent l'ensemble des lieux communs, ce qui dispense d'avoir à lire Marie de Gournay, qui est une philosophe à part entière, avec des idées intéressantes, éminemment modernes. C'est une montagnienne, on pourrait le dire aussi. Elle a fait son miel, elle aussi, de Montaigne. Vous verrez que ces idées féministes procèdent d'une lecture de Montaigne. Et c'est un personnage majeur et cardinal. Je tâche de vous montrer quand, comment et de quelle manière. 1565-1645, pour les dates, 6 octobre 1565 et 13 juillet 1645, c'est une octogénaire. Donc quand elle disparaît, elle traverse des siècles importants, le grand siècle. Et elle traverse ce que j'ai appelé, ce qu'on appellera, ce que j'appelle après d'autres historiens aussi, l'envers du grand siècle, ce 17e qu'on nous présente comme le siècle de la tragédie, Racine, Corneille, des classiques ou du retour aux classiques, La Fontaine et quelques autres. Le quiétisme de Fénelon, l'occasionnalisme de Malebranche, Descartes évidemment, Pascal, enfin toutes ces questions qui ont fait dire à René Pintard que le XVIIe siècle c'était le siècle des saints. Eh bien, il y a un envers au siècle des saints, il y a un envers au XVIIe, au grand siècle, et cet envers-là, il passe par Marie de Gournay comme personnage majeur, c'est un grand intercesseur, Marie de Gournay, et on va voir pourquoi et comment. La réputation, alors quand vous prenez une histoire des idées, eh bien vous avez toujours cette référence à Montaigne avait pour fille d'alliance, c'est l'expression qu'ils ont utilisée tous les deux, pour fille d'alliance, Marie de Gournay. Qu'est-ce que ça veut dire une fille d'alliance? Une fille adoptive, un petit peu cette histoire avec Sylvie Le Bon aujourd'hui et Simone de Beauvoir. Qui a-t-il eu avant, pendant, après, à quoi ça ressemble l'histoire de Michel et Marie? D'une certaine manière, il ne nous reste pas grande trace. Et ils se sont arrangés pour effacer les traces qui auraient pu rester et qui nous auraient permis aujourd'hui un diagnostic
pur et dur, on persiste à dire, voilà, ils se sont aimés d'amitié de manière assez filiale ou familiale, alors qu'en fait, il y a des textes qui ont existé dans certaines éditions, qui ont disparu dans d'autres éditions, mais il est intéressant de voir d'où viennent ces textes, ce qu'ils disent, on va les examiner, ces textes, pourquoi ils ont disparu, qui les a fait disparaître, qui y avait-il à cacher, pourquoi y a-t-il un cadavre à cacher dans cette affaire, vraisemblablement parce que Montaigne et Marie de Gournay ont eu une histoire amoureuse, point à la ligne, et c'est pas plus compliqué que ça, c'est tant mieux pour eux deux. Elle a 18 ans quand elle découvre les essais. Elle est amoureuse, semble-t-il, du personnage qu'elle n'a pas rencontré, simplement sur la foi du livre, de l'ouvrage, qui la fascine. Et puis, 5 années plus tard, 23 ans, elle apprend que Montaigne se trouve à Paris. Elle aura elle-même un cénacle rue de l'Arbre Sec à Paris. Et elle lui envoie un mot pour lui faire savoir qu'elle admire son travail. Enfin, ça devait être un petit mot débordant, parce que Montaigne lui répond « Voyons-nous demain ». Et il se voit le lendemain. C'est une grande histoire d'amour, au sens large du terme, une grande histoire d'amour qui démarre. Montaigne a 55 ans et Marie 23. Ça n'interdit pas l'amour, au contraire, je dirais même plutôt que ça y invite. Et on va faire un petit portrait de Montaigne pour essayer de voir s'il a été chaste, qu'il l'a été vraisemblablement par défaut et pas par conviction. Quand il a 55 ans, Montaigne est marié, père de famille, et il nous a déjà fait l'éloge de la discrétion, de l'adultère, mais de la discrétion, surtout de la discrétion, je vous le redis, dans l'adultère, en disant, c'est pas interdit, mais enfin, soyez discret. C'est plutôt la vertu qu'il considère comme majeure et essentielle. Son état sexuel est moyen, si j'en juge par l'éloge qu'il fait des caresses, quand il dit que c'est parfait les caresses, qu'on n'est pas obligé d'être plein d'ardeur toute la nuit, c'est vraisemblablement à défaut de pouvoir être ardent lui-même. Donc on peut imaginer que sa libido est défaillante, il le dit lui-même d'ailleurs, et je crois que s'il n'y a pas grand-chose sur le terrain amoureux, sexuel et libidinal, je crois vraiment que c'est une histoire de physiologie plutôt qu'une affaire de métaphysique. Que disent les essais ? 1595, je prends l'édition de 1595, parce que Montaigne a écrit, du moins c'est sous la signature de Montaigne, il y a des textes qu'on peut commenter, d'autres ont dit que peut-être c'était tellement élogieux pour Marie de Gournay, que c'était peut-être même Marie de Gournay qui elle-même avait écrit cet éloge, ou cette fiction la concernant. Montaigne dit qu'il l'aime beaucoup plus que paternellement. Paternellement, on avait déjà vu, c'est une fille d'alliance, à mettre en perspective avec l'affection de Marie, qui devait être une excitée de première, mais ça c'est réjouissant. Il parle de son affection, citation toujours plus que surabondante. Il ajoute, il parle également de la véhémente façon dont elle m'aima et me désira longtemps. Tout de même, plus que surabondante, véhémente façon, plus que paternellement, ça fait une fille d'alliance assez singulière. Bien sûr, il vante ses promesses intellectuelles. Hein. Il dit c'est une femme intelligente aussi, ce qui n'est pas faux. Et il dit qu'elle fera des choses bien, ce qui n'est pas faux non plus, et ça se verra dans l'histoire. Ce texte est évidemment problématique. Tous les gens qui ont travaillé sur Montaigne ont considéré que c'était beaucoup, que peut-être, donc je vous disais, Marie a elle-même rédigé ce texte, que peut-être même c'est Montaigne qui a écrit, mais avec Marie derrière son dos, et qu'elle souhaitait quelque chose comme une preuve d'amour, comme un témoignage. Tous ces textes-là disparaissent, et également un texte où Montaigne dit qu'il a des difficultés, qu'il n'y parvient pas d'ailleurs à faire son deuil de la Boétie. Là encore, on peut imaginer qu'il donne le change, qu'il a envie de laisser croire que dans cette affection extrêmement filiale, il y a quelque chose qui procède de l'amitié, laisser croire l'amitié parce que sa femme, parce que sa famille, parce que les amis, parce que la réputation, parce qu'un vieillard barbon de 55 ans, je parle de l'époque, c'est l'âge de l'époque, et puis d'une jeune fille qui est jeune, 23 ans, on peut imaginer que, à l'évidence, il faut laisser croire qu'on est dans la logique de l'amitié. Donc Montaigne dit « J'ai du mal à faire sans Étienne de la Boétie ». Ce texte qui existait dans une édition disparaît un petit peu plus tard. On ne sait pas qui a biffé ça. On pense que ça n'est pas Montaigne. Donc certains imaginent que c'est peut-être, probablement, Marie de Gournay elle-même, personnellement. Quand ils se rencontrent, quand ils ont cette histoire, eh bien, Montaigne vit très précisément cette relation sans problème et sans difficulté. Il laisse Dame Françoise de la Chassaigne, son épouse, pour aller à Gournay-sur-Aron, dans le château familial, où il retrouve Marie et sa belle-mère, enfin la belle-mère d'occasion, la mère de Marie, je dirais. Il y va deux ou trois fois, on ne sait pas combien, mais 3 mois au total. Il y passe 3 mois sur place avec
une ardeur au travail, disent-ils. Ils marchent, ils se promènent, ils racontent comment ils lisent, comment ils comprennent tel ou tel texte. Il y a un commentaire de Plutarque, du travail de Plutarque sur l'amour. Et Marie de Gournay écrira un texte qui s'appelle « Le promounoir de Monsieur de Montaigne », texte où elle racontera comment on peut lire Plutarque l'amour et réfléchir sur la question de sur la question amoureuse. Il disparaît de Gournay-sur-Aronde, et pour vous dire que le téléphone manquant à cette époque-là, on s'écrit, mais on s'écrit assez peu, c'est 15 mois plus tard qu'elle découvrira que Montaigne est mort, avec une lettre de Juste Lips, et Braque et la Chassagne, enfin Pierre de Braque, qui est l'ami dont je vous avais parlé, qui est l'ami des dernières heures, avec quelques autres, Pierre Charron et Florimond Raymond, l'invite au château de Montaigne, où elle vient en 1595, et elle y reste 15 mois. Elle y travaille, au manuscrit. À Gournay-sur-Aronde, Montaigne avait dicté, là encore, je vous avais dit que Montaigne avait dicté beaucoup d'essais, on sait qu'il a dicté des passages à Marie, et que Marie elle-même a recopié sous la dictée de Montaigne, et elle s'entend très bien avec Léonore, la seule fille qui survit, pas bien longtemps, mais enfin, qui survit à Montaigne, et puis Françoise, elle noue des relations de sympathie et d'amitié. En dehors de Montaigne, parce qu'évidemment Marie de Gournay sait Montaigne, et la plupart du temps quand on lui laisse un peu de place, c'est essentiellement comme la fille d'alliance de Michel de Montaigne, et pourtant elle a son originalité, sa singularité, sa pensée. On a pourtant été extrêmement injuste avec elle, parce que pendant 3 siècles, et là il y aurait quasiment un travail universitaire à faire sur la façon dont le premier qui écrit des méchancetés sur Marie de Gournay se retrouve pillé. Parfois, les phrases sont très exactement les mêmes, et la logique des malentendus continue jusqu'à ce que les études féministes, dans les années 70, commencent à aller voir directement au texte pour essayer de proposer une lecture digne de ce nom de Marie de Gournay et présenter sa pensée, son existence, et surtout son existence en dehors de Michel de Montaigne. On a beau être montagnien, la vie continue avant, pendant et après, et on peut avoir une pensée propre et distinct. Les qualificatifs sont violents, c'est très agressif, mais ça me paraît logique. Dès qu'une femme apparaît et pense, les hommes n'aiment pas beaucoup, pendant très longtemps, hein, je veux dire, ça démarre très vite et très tôt, ça continue encore aujourd'hui. Donc elle a eu droit à peu près à tout, vieille fille, virago, vierge, mais ça, on n'a pas les moyens de vérifier, simplement parce qu'elle était célibataire. Laideron, c'est pas vrai, il y a quelques gravures qui montrent que ça n'est pas le cas. Sorcière, elle s'est un peu occupée d'alchimie, mais la chimie à l'époque, c'est pas aussi distinct que ça. On peut s'interroger sur l'alchimie sans pour autant s'exciter sur les cornues matin, midi et soir. Elle n'a pas été sorcière, mais la réputation a été faite. Dépensière, on l'a attaquée sur son train de vie. Et puis radoteuse aussi, parce qu'elle croit à un certain nombre d'idées, et on lui a reproché de revenir sans cesse sur ses manies. Et elle en avait intellectuellement. Intellectuellement, c'est la même chose. Autant on l'a calomniée physiquement, personnellement, eh bien on ajoute des procès d'intention. On considère qu'immanquablement, elle ne peut pas lire correctement, ou que si elle lit correctement, eh bien elle ne peut que travestir ou infléchir la pensée de Montaigne, captation ou interprétation. Et à l'évidence, on a pu faire savoir, en travaillant sur les manuscrits, qu'elle avait travaillé distinctement, précisément, intelligemment, mais on a pu considérer qu'elle avait fait un travail qui relevait de Marie et pas de Michel, sans imaginer que, pour autant, il y a eu des conversations derrière ou en amont, parce que les conversations ont existé, et Montaigne a vraisemblablement dit comment, de quelle manière il fallait penser son travail. Il a sûrement confié, il a fait des confidences, vraisemblablement, à Marie, qui lui ont permis d'être à la hauteur, et surtout de ne pas trahir. C'est quelqu'un qui n'a pas trahi Montaigne. On peut imaginer que très probablement, quand elle change quelque chose dans le manuscrit des essais, elle le fait pour le bien de Montaigne. Elle n'a fait que ça, elle a travaillé sur le terrain de la fidélité et de l'amour. Elle n'a été en fait, pendant plus d'une vingtaine d'années, qu'au service de cet homme qu'elle aimait et qu'elle admirait. Il y a une petite anecdote sur Ronsard. Elle a travaillé sur un manuscrit qu'elle avait prétendument retrouvé de Ronsard, et puis en fait on a découvert qu'elle avait fabriqué un faux, simplement parce qu'elle considérait, et ça c'est une idée qu'elle a aussi avec Montaigne, sur Montaigne, ou travaillant sur les essais de Montaigne, c'est de mettre à disposition, c'est une logique un peu de philosophie populaire, de mettre à disposition la philosophie pour le plus grand nombre. Ce que va faire Descartes quand il considère qu'il faut s'attaquer directement à ces choses-là, en allant voir, en sollicitant le bon sens des gens, et en laissant de
côté de tous les théoriciens, tous les techniciens de la philosophie. Marie pensait qu'il fallait donc travailler le texte pour le rendre accessible. Elle a fait ça avec Ronsard, en changeant quelques mots pour le rendre plus accessible. Aujourd'hui, évidemment, bien après la logique des droits d'auteur, bien après le droit de la propriété, tout ça, c'est beau marché, il faut attendre bien longtemps pour qu'on puisse avoir une logique de propriété littéraire. Bien avant la logique de la propriété littéraire, c'est une adaptation qu'on ne doit pas penser comme aujourd'hui on pourrait la penser. Pourquoi est-ce qu'elle a cette mauvaise réputation? Deux hypothèses. Je pense qu'elle pense en féministe et puis elle vit en féministe et que c'est suffisant pour que les hommes voient leur privilège remis en cause ou craignent qu'une femme puisse ne pas penser comme eux pensent puisqu'ils fabriquent le monde pour eux à leurs propres mains à partir de leurs propres intérêts. Et évidemment, une femme qui considère que les intérêts des femmes ne sont peut-être pas les intérêts des hommes ne peut qu'exciter intellectuellement les hommes. Elle écrit deux ouvrages, Égalité des hommes, entre autres, hein, Égalité des hommes et des femmes, et puis un autre qui s'appelle Grief des dames, qui sont deux, on dit pamphlets, la plupart du temps, quand on veut éviter de dire que c'est un texte de philosophie pure et dure sur ce sujet-là, on considère qu'il y a une dimension pamphlétaire, ce ne sont pas des pamphlets, c'est la démonstration d'une idée qu'on trouve chez Montaigne, à savoir il n'y a pas d'inégalité entre les hommes et les femmes, il y en a-t-il une qui serait constatable, ou il y en a-t-il, on peut les constater, elles ne sont que d'institutions, dit Montaigne. Donc les femmes, c'est comme les hommes, c'est très exactement la même chose, c'est simplement la culture qui va fabriquer cette différence. Et la thèse de Marie de Gournay, elle est celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a une égalité absolue entre les hommes et les femmes. Évidemment, elle critique la misogynie qui consiste à dire que les femmes sont inférieures aux hommes, elle critique aussi une autre position qui peut-être a été la position des féministes dans les années 70, du genre les femmes sont supérieures aux hommes, une espèce de racisme inversé ou une variation sur le thème du racisme. S'il y a égalité, il n'y a pas de supériorité, ni des hommes sur les femmes, ni des femmes sur les hommes. Donc elle évite l'accusation de misogynie, bien sûr, mais aussi cette accusation de phylogénie d'une certaine manière. Et elle est très moderne sur ce sujet-là parce qu'elle est post-féministe, c'est-à-dire dans la logique d'aujourd'hui qui consiste à dire il y a des différences, il n'y a pas d'inégalités, ces inégalités elles ne sont que d'institutions, travaillons sur la logique des institutions et nous verrons que nous fabriquerons une égalité digne de ce nom. Toute la tradition universitaire se met à discréditer Marie de Gournay, et alors de 1898 de Paul Bonnefond, Montaigne et ses amis, qui est un tissu de mensonges, aussi bien sur, pas trop sur la Boétie, mais sur Pierre Charon et sur Marie de Gournay. Il y a des passages considérables. Moi, quand j'ai lu ces passages-là, je me suis dit, ah bon, elle était vraiment comme ça, hein, Pierre Charon était vraiment ça. Pierre Charon, en gros, c'est un curé pédophile qu'on voit dans les villages, c'est pas un pléonasme, hein, qu'on voit dans les villages avec des belles fourrures, des parfums, et c'est pas du tout ça. Ça, c'est ce que Pierre Garras a raconté dans la Doctrine Curieuse, qui est un pamphlet sur lequel on travaillera l'an prochain. Là, pour le coup, c'est un pamphlet insultant, parce que Garras, comme tout bon curé qui se respecte et mène en combat, considère qu'on peut mentir, travestir, et il attaque aussi bien Pierre Charon que d'autres. Et bien ces idées-là se retrouvent, je pense que ça date de cette époque-là, se retrouvent chez les universitaires, les professeurs et les officiels, qui les uns les autres, après Bonnefond, reprendront ces thèses-là. Ça se retrouve chez Marie Auchif, la fille d'alliance de Montaigne, Marie de Gournay, même chose, en 1910, très exactement mot à mot, j'ai relu ça récemment, et en prenant des notes, je me suis dit, j'ai déjà lu ça, c'est très exactement, sans démarquage, les positions qui sont défendues par Bonnefond. Notre Pierre Villet National, qui est un grand spécialiste de Montaigne, l'éditeur d'une édition qui fait toujours autorité aujourd'hui, même chose, Montaigne devant la postérité, 1935, tissu d'ineptie sur Marie de Gournay. Et puis plus tard encore, Maurice Ramm, 1962, c'est pas bien loin, c'est un personnage à qui on a confié l'édition de la Pléiade. Ça n'est pas dans la Pléiade qu'il a assassiné Marie de Gournay, mais dans des travaux alentours. Et j'ai cherché en me disant peut-être aussi que récemment ou très récemment, on a repris les mêmes arguments. Eh bien oui, quelqu'un qui a travaillé chez Droz, Maison Sérieuse, pour présenter le promounoir de Monsieur de Montaigne, Constant Venosen, qui lui a fait l'établissement du texte, a fait des notes, et je ne comprends pas, c'est-à-dire la préface est un assassinat de Marie de Gournay. On est censé théoriquement préfacer des gens qu'on apprécie ou les mettre à disposition du public honnêtement, pour vous dire qu'il a vraiment fallu attendre le travail des féministes pour que on voit un peu derrière la calomnie qu'il y avait une pensée à proprement parler. Donc cette pensée féministe, elle est doublée d'une existence, d'une biographie féministe d'une certaine manière, parce que Marie est célibataire, pas entretenue, c'est rare à l'époque comme aujourd'hui, et mais non, c'est une plaisanterie.
parce qu'elle considère qu'elle a autre chose à faire. Elle adore d'ailleurs Donzel et Minette. Elle n'est pas lesbienne, mais ce sont ses chats, le nom de ses chats. Et elle préfère vivre autrement qu'être au crochet d'un mari qui lui permettrait de se croire libre. Elle écrit des textes de circonstance pour obtenir des pensions. Il faut bien se prostituer, si c'est pas un mari, ça peut être à l'Éducation nationale ou ailleurs, mais elle se prostitue auprès des grands qui sont à même de lui permettre d'avoir des bourses, comme on dirait. C'est-à-dire, elle écrit des textes qui sont parfois intéressants pour les puissants de ce monde, mais pas forcément intéressants pour la postérité. Elle est courtisane, si vous voulez, au sens étymologique, parce qu'il y a une fortune dans la famille, mais elle prétend qu'elle a beaucoup prêté, qu'on lui a peu rendu, c'est fréquent, hein, et qu'une partie de la fortune est partie comme ça. On pense aussi qu'elle avait un train de vie qui lui permettait d'engloutir assez facilement cette petite fortune. Elle est célibataire, donc pas entretenue. Elle est hédoniste, pas sinistre, donc ça, c'est, les hommes n'aiment pas beaucoup les femmes hédonistes. Elle roule en carrosse. Elle a une dame de compagnie qui lui joue du luth, et puis elle a deux laquais aussi. Ce qui est assez singulier, c'est qu'on les lui reproche. On n'aurait jamais reproché ça à un homme. Donc elle a le désir d'avoir un train de vie. Et puis elle est indépendante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas que cette femme qui aurait travaillé dans, par et pour Montaigne. Elle a vraiment une autonomie qui lui est propre, une valeur intrinsèque. Par exemple, elle traduit du latin qu'elle a appris seule. Et ce qui lui est, c'est important parce que c'est à partir de ces traductions qu'elle pourra travailler sur le texte lui-même de Montaigne. Elle traduit Ovide, Salluste, Virgile et Tacite, qui sont des auteurs qu'on trouve fréquemment chez Montaigne. Montaigne, comme vous le savez, cite beaucoup l'Antiquité, beaucoup plus l'Antiquité latine que l'Antiquité grecque. Et plus tard, quand elle travaille à l'établissement du texte, elle considère qu'il ne faut pas laisser en latin les citations latines, qu'il faut les traduire en français, donc, et qu'il faut, en plus de ça, faire de telle sorte qu'on puisse savoir d'où ça vient, qui nous a dit quoi, quand et de quelle manière, qu'on puisse aller voir dans quelles circonstances le Horace dit ceci ou Lucrèce dit cela. Ce qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, parce que là encore, le prélèvement, quand je vous disais tout à l'heure que le libertinage de Montaigne se fait à partir du pillotage, c'est l'expression qu'il utilise, cette façon qu'on les abeilles de pilloter dans les fleurs, eh bien, lui, il fait très exactement la même chose. Il va chercher chez certains auteurs des phrases qu'il sort du contexte, il fait dire à ces auteurs-là des choses que parfois les auteurs ne disent pas toujours, et qui lui permettent la plupart du temps de dire des choses essentielles. C'est-à-dire une stratégie de la citation chez Montaigne qui est considérable. Donc elle traduit du latin, elle fait des vers, c'est pas extra, hein, je veux dire, sur ses chats, Minette et Donzel, c'est pour ça que je sais qu'ils s'appellent comme ça, sur Léonore, la fille de Montaigne, sur Jeanne d'Arc aussi, il y a des sujets plus excitants, mais elle versifie correctement. C'est pas le Mallarmé de son époque, mais elle fait de la poésie. Elle correspond aussi, il y a une correspondance extrêmement importante, et pas avec n'importe qui. François de Sales, c'est assez singulier de voir que, par exemple, Saint François de Sales était l'un de ses correspondants. J'ai dit déjà que François de Sales est quelqu'un qui avait très vite et très tôt compris l'intérêt qu'on pouvait trouver aux essais, parce que l'introspection est une occasion de savoir qui on est, évidemment, mais ensuite, à partir de cette découverte, quand on sait qui on est, eh bien, on sait ce qu'on peut faire ou fabriquer, ce qu'on peut devenir un chrétien, par exemple. François de Sales a bien compris qu'il fallait d'abord savoir qui on était pour pouvoir devenir ce qu'on était, disons-le, dans les termes de Pindare. Correspondance donc avec François de Sales, avec Juste Lisp, qui lui est un humaniste important de cette époque-là, avec lequel tout le gratin intellectuel de l'Europe correspond, Richelieu, Anne d'Autriche ou Marie de Médicis. Donc j'ai prélevé parmi les individus avec qui elle correspond des personnages pour que vous voyez quelle est la dimension du personnage, la dimension engagée de la femme intellectuelle et très engagée dans son temps. Elle critique également, et c'est un combat intéressant, le platonisme, enfin disons-le comme ça, le platonisme des précieuses. On connaît les précieuses ridicules, on ne sait pas trop quels sont leurs discours, vous savez, la carte du tendre et ces choses-là, et les cartes du tendre procèdent chez les précieuses, qui ne sont pas que ridicules, d'une théorie de l'amour qui a à voir avec la vision de l'amour platonique. C'est pré-romantique, c'est platonique en même temps, enfin c'est très loin d'une version immanente comme on la retrouvera chez Montaigne. Elle adapte Ronsard, je vous ai dit tout à l'heure, comment elle avait travaillé en faisant dire au texte qu'il ne disait pas toujours, mais simplement avec une bonne intention, c'est-à-dire le rendre disponible, facile et accessible. Et puis elle prend position également sur la querelle du langage, ce qui est extrêmement important parce qu'on découvre qu'elle est philologue.
d'une certaine manière, qu'elle est l'une des premières à considérer qu'un texte, ça s'aborde philologiquement, pas seulement à partir de l'histoire, pas seulement à partir de la structure, mais c'est d'abord dans un langage, et Montaigne se posait la question de la pérennité de ce langage. Montaigne dit, j'écris dans une époque, mais même 20 ans plus tard, après ma mort, est-ce que je serai encore lisible? Est-ce que je serai encore lu? Mais si je suis lu, est-ce que je serai encore lisible? Et le vocabulaire change, bouge, s'adapte, et Marie de Gournay considère qu'il faut travailler sur l'établissement des textes pour faire de telle sorte que ça puisse traverser les siècles. Elle avait une haute idée du destin de l'œuvre de Montaigne, elle avait bien raison. Elle est la première dans cette logique aussi philologique à considérer que les essais c'est un ensemble. Ce ne sont pas des strates, ce n'est pas une espèce de jardin où il ne faut pas aborder ça comme un géologue qui irait chercher des couches successives avec des périodes, des zones, les histoires classiques, hein, le Montaigne stoïcien, le Montaigne pyrrhonien, puis le Montaigne épicurien. Elle dit très précisément qu'il y a une logique intrinsèque à la totalité du texte. C'est quelqu'un qui pense qu'il faut lire le livre totalement, intégralement, le lire et le relire, en faire un livre de chevet. Donc elle traduit les citations pour ce faire, elle donne les références, et puis elle fait un nettoyage de mots, c'est-à-dire qu'elle est très exactement le contraire de la sotte qu'on a prétendue pendant très longtemps. Et puis, chose majeure, il y a une dimension politique. D'abord, elle pense en féministe, ensuite elle vit en féministe, et puis elle a le culot de s'occuper de politique et de s'en occuper à peu près correctement ou à peu près bien. C'est-à-dire qu'elle prend position dans les querelles de l'époque. Vous savez qu'Henri IV a été assassiné. On a considéré que les jésuites étaient responsables de cet assassinat, et elle a lavé les jésuites de cette accusation de régicide. Elle est assez convaincante sur ce sujet-là. Elle a également écrit sur l'instruction des princes. C'est assez majeur comme faute, puisqu'on considère que les hommes peuvent être des précepteurs, mais pas des femmes dont on pense qu'elles sont faites plutôt pour nettoyer le derrière des enfants, faire la cuisine, la vaisselle, le ménage, et elle dit non, pas du tout, j'ai bien des idées sur la façon qu'on a d'instruire un prince. C'est très intéressant, en plus, de considérer que la politique à l'époque, ça ne s'aborde pas par la question de la démocratie ou par la question de la République, ça pourrait, mais enfin, c'est pas encore le moment, ça s'aborde par la question du monarque, de la monarchie, que personne ne remet, c'est la monarchie, personne ne la met en cause, considérant que peut-être en travaillant sur le philosophe, et sur le roi, pardon, et en le rendant philosophe, une espèce de version platonicienne, si vous voulez, on peut produire des effets politiques. Donc instruisons correctement des jeunes princes qui deviendront des rois, et on aura vraisemblablement des changements en termes de politique. C'est une idée qui n'est pas inintéressante. Vous voyez comment on aurait pu éduquer un certain président de la République actuellement, mais c'est trop tard. À quoi ressemble cette médiation libertine? Comment est-ce que ça marche? Quand on sait que ni Montaigne, vous l'avez vu, on l'a vu ensemble, ni Marie de Gournay ne sont athées, sont même très précisément opposés à l'athéisme. Il y a des professions de foi très claires pour la religion catholique, apostolique et romaine chez les deux. On l'a vu avec Montaigne, avec Marie de Gournay également. Et elle a des idées chrétiennes, elle les défend, elle est très intéressée par les questions de théologie, et elle est très intéressée aussi par les questions de conversion des individus. Elle pense qu'il faut travailler à la conversion des fidèles. Elle fait l'éloge de la confession auriculaire, c'est-à-dire de cette technique qu'ont utilisée les prêtres avant que la psychanalyse ne s'en empare, de considérer que la parole, le langage, l'échange, le fait qu'on puisse se confier à quelqu'un qui est supposé savoir, comme on dit, le prêtre en l'occurrence, et elle a écrit sur ce sujet-là des pages intéressantes. Elle considère que la chasteté et la continence des prêtres, c'est quelque chose d'important. Déjà, à l'époque, vous voyez, on était obligé de lutter pour qu'ils le soient, chaste et continent, ce qu'avait déjà fait Erasme en son temps. Montaigne n'intervient pas sur ce sujet, mais c'est une des questions essentielles qui fait du protestantisme un outil majeur contre le christianisme, de cette façon qu'ont les prêtres de se comporter à cette époque-là. Et puis, chose un peu moins montagnienne, parce que ça, pour le coup, Montaigne n'aurait pas beaucoup aimé, elle fait l'éloge du colonialisme chrétien. C'est moi qui parle du colonialisme chrétien dans des termes d'aujourd'hui, mais elle considère que les conquistadors, les gens qui s'en vont à l'étranger et puis qui s'installent, eh bien, ils permettent à des gens qui sont des imbéciles ou des barbares d'avoir droit à la vérité, à la philosophie, la seule philosophie qui mérite qu'on s'en occupe, c'est-à-dire le christianisme. Ça, très précisément, Montaigne n'aurait pas pu cautionner une chose comme celle-ci. Simplement, si on remet en perspective ces textes, l'occasion et la circonstance de ces textes, on constate que ce sont vraisemblablement des textes de commande qui permettent à Marie de Gournay de décrocher une pension et d'obtenir les faveurs des gens qui sont censés découvrir une apologie de ce colonialisme-là.
Donc il y a cet aspect chrétien chez Marie de Gournay. Elle est catholique, Montaigne catholique aussi, une critique des athéistes, comme on le dit à l'époque, chez les deux, pratique vraiment réellement catholique. Et ils ont surtout des fréquentations, enfin ils ont, Montaigne est décédé, hein, mais dans le cénacle de l'Arbre Sec, enfin de la rue de l'Arbre Sec à Paris, Marie de Gournay a des fréquentations libertines. On s'expliquera sur ce qui fait le libertin, pas grand chose à voir avec la mauvaise réputation du libertinage, ni le libertinage du XVIIIe siècle, Crébillon, Sade et quelques autres, le libertinage de mœurs, comme on le dit, le libertinage de comportement, qu'on oppose à un libertinage dit érudit, mais là encore on verra que ce sont des catégories qui ne fonctionnent pas correctement. Il y a des libertins prétendument érudits qui font des omelettes au lard le vendredi saint, et qui sont des théoriciens en même temps, donc c'est pas aussi clair cette distinction. Mais il y a des libertins, notamment Théophile de Viau, qui passe pour un poète qui passe pour mécréant. Il est emprisonné pour des vers licencieux, mais il suffit d'être licencié à l'époque pour considérer qu'on est athée. Il suffit d'ailleurs de pas grand-chose pour qu'on soit considéré comme un athée, pas seulement parce qu'on a parlé ou pas parlé ou mal parlé de Dieu. Il suffit d'avoir dit sur le terrain de la morale ou sur le terrain de la politique quelque chose qui déplaira, et d'un seul coup on devient un athée. Donc emprisonné pour ses vers licencieux, Théophile de Viau livre et effigie brûlée en place de Grève, donc ça chauffait, c'est le cas de le dire, pour Théophile de Viau, qui faisait partie du Cénacle. Donc elle écrit à François de Sales d'un côté, puis de l'autre côté, elle reçoit Théophile de Viau dans son appartement parisien. Elle y reçoit également Gabriel Naudet, médecin, bibliothécaire, fondateur de la bibliothèque Mazarine, théoricien du coup d'État. C'est aussi intéressant, la question du coup d'État, à ne pas penser dans la logique Pinochet, etc. On est dans une époque où le coup d'État, c'est l'occasion de penser la politique de manière immanente, comme Machiavel le fait, en pensant que Dieu n'a pas grand-chose à faire dans ces choses-là et que la théocratie n'est pas une vérité politique. S'intéresser à la question du coup d'État, c'est s'intéresser, comme Hobbes le fera un petit peu plus tard, à la politique en mécanicien, en physicien, en comme quelqu'un qui ferait de l'hydraulique d'une certaine manière. Et puis la Motte Levaillé, François la Motte Levaillé, dont on a déjà eu l'occasion de parler, un grand amateur de Montaigne, lui aussi, qui hérite, et j'ai trouvé que c'était important cette filiation, je vous en ai déjà parlé, qui hérite de la bibliothèque de Marie de Gournay. Marie de Gournay a hérité elle-même de la bibliothèque de Montaigne, qui lui-même avait hérité de la bibliothèque de La Boétie. Et puis la bibliothèque de Montaigne est une bibliothèque dans laquelle les ouvrages sont annotés. Ça n'est pas inintéressant d'hériter de livres, en même temps de fiches de lecture ou de commentaires que Montaigne a pu faire sur ses ouvrages. Et c'est à partir de cette relation, Marie de Gournay, La Motte Levaillé, puisque Montaigne n'est plus là, que le devenir libertin de Montaigne va se fabriquer. L'usage libertin, disons-le plutôt comme ça, l'usage libertin de Montaigne va se fabriquer. Dans l'édition de 1635, elle a fait un nombre considérable d'éditions, Marie de Gournay, dans l'édition de 1635, on n'est pas loin du discours de la méthode, hein, on est dans ces eaux-là. Elle dit très précisément dans la préface qu'elle n'a pas traduit les passages libertins de Montaigne. Comment peut-on mieux dire qu'il existe des passages libertins dans les essais de Montaigne? On dit qu'on ne les a pas traduits, mais en même temps, on dit qu'ils existent. On attire l'attention sur le fait que peut-être on peut utiliser les essais autrement que comme un livre qu'il faudrait lire du début jusqu'à la fin, mais comme une espèce de carrière à ciel ouvert dans laquelle on pourrait prélever ceci, cela, et je vais vous dire quoi, comment et de quelle manière les choses qu'on peut prélever pour faire de Montaigne un fer de lance contre le christianisme à cette époque-là. Donc elle laisse des références aux érudits, ça c'est ce qui rend possible l'espèce de clin d'œil. Il faudrait faire un long détour sur la lecture, le lecteur, qui lit à l'époque, quel personnage peut lire un livre, combien ça coûte un livre, qu'est-ce que ça peut bien signifier quand on ne sait pas lire, quand on est illettré, quand on voit le prix du livre, qu'est-ce que ça veut dire s'adresser à des individus dans les essais, c'est complexe, c'est compliqué. Donc on sait qu'on s'adresse à des gens dangereux, mais aussi à des gens dangereux parce qu'ils sont, ce sont des individus qui travaillent pour le pouvoir politique, mais aussi pour le pouvoir religieux, et on s'adresse aussi aux érudits, qui eux parlent tous le latin, donc on sait très bien qu'en ne traduisant pas, destin de la philosophie populaire, eh bien on s'adresse à des gens qui auront la possibilité, dans leur logique aristocratique, de comprendre ce qu'il faut comprendre. On s'adresse à eux sur la logique du clin d'œil. C'est cette technique et cette théorie du pilotage, je reprends ce joli mot de Montaigne, qui nous permet de faire de Montaigne ce qu'on souhaitera qu'il soit pour nous servir. C'est-à-dire que j'ai pris quelques exemples, quelques citations, et vous verrez comment en prenant trois exemples sur la religion, la politique et sur les femmes ou la question du féminisme, on peut lui faire dire tout et le contraire de tout si on isole une phrase et si on s'arrête sur cette seule phrase.
Sur la question de la religion, par exemple, on peut très bien faire un anticlérical ou un catholique. Vous allez me dire, ça existe des anticléricaux-catholiques, c'est un peu problématique, mais quelqu'un qui considère que, par exemple, on peut écrire la grossière imposture des religions, j'ai déjà utilisé cette expression, la grossière imposture des religions, livre 2, chapitre 22, eh bien, c'est quand même quelqu'un qui peut permettre à des anticléricaux de se servir de cette expression. Montaigne considère que la religion, c'est une imposture, que les religions sont toutes des impostures. Première vérité. Deuxième vérité, et là, pour le coup, vous trouvez un Montaigne catholique, il nous dit l'Église catholique, apostolique et romaine, en laquelle je meurs et en laquelle je suis né. Même chose, vous dites, cet homme qui nous dit que les religions sont des impostures, c'est un personnage qui nous dit qu'il est catholique, apostolique et romain. Pourrait après mettre en perspective d'autres phrases dans lesquelles il faudrait savoir ce que ça veut dire être catholique. Et on verra comment Montaigne nous dit on est catholique comme on est périgourdin, allemand, etc. Chose qui intéresse aussi les libertins à cette époque. Sur la question de la politique, eh bien, il y a eu des conservateurs qui ont considéré qu'il était l'un des leurs. Et Mitterrand, par exemple, hein, je vous rappelle que la photo officielle de Mitterrand est faite avec un individu qui est en train de lire un exemplaire des Essais de Montaigne. C'est-à-dire la photo officielle de Mitterrand, c'était Mitterrand lisant les Essais de Montaigne. On aurait dû s'en douter que ça n'augurait rien d'intéressant. Parce que Montaigne disait « Le changement seul forme à l'injustice et à la tyrannie ». Le changement seul forme à l'injustice et à la tyrannie, livre 3, chapitre 9. Mais on peut aussi considérer, mais c'était là que le livre de Mitterrand était ouvert, je présume, on peut aussi considérer que c'était également un progressiste, parce qu'il y a une phrase, c'est ce qui justifiera l'usage politique pendant la Révolution française. Je vous parlais de la 8e section des Patriotes à Bordeaux qui se réclamait de Montaigne. On peut considérer qu'il est également progressiste parce qu'il écrit ailleurs « En toute chose, sauf simplement aux mauvaises, la mutation est à craindre ». Il suffit de dire « Mais les mauvaises, eh bien, les mauvaises, c'est l'état des lieux, c'est ce qui a lieu tout de suite, donc il faut changer ces choses-là ». Voyez comment on peut être conservateur, comment on peut être progressiste, voire révolutionnaire, comment on peut servir à l'un, servir à l'autre, comment d'un côté les laïcars trouvent leur compte à Montaigne, comment de l'autre côté les catholiques, apostoliques et romains y trouvent leur compte. Même chose avec les conservateurs ou les progressistes. Sur la question des femmes, et il y a toujours eu des commentaires longs et abondants sur Montaigne misogyne ou sur Montaigne féministe, bien, il est les deux, et il est par exemple misogyne quand il dit des femmes nées pour le rôle passif, et puis féministe aussi avec cette grande phrase, cette grande idée que Marie de Gournay reprend, les mâles et les femelles sont jetés en un même moule, sauf l'institution et l'usage, la différence n'y est pas grande. Que dit d'autre Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe ? Rien d'autre que cette idée que nous fabriquons des inégalités sociales, que les inégalités ne sont pas naturelles et que c'est simplement, pour reprendre les expressions de Montaigne, l'institution et l'usage qui fabriquent de la différence et qui fabriquent de l'inégalité et l'exploitation des femmes. Donc on peut très bien, en jouant ce jeu-là, vous voyez, sur la question de la politique, comment on peut, sur la question du féminisme ou sur la question de la religion, faire dire à Montaigne ce qui nous intéresse pour faire de telle sorte qu'il puisse être utilisé par les chrétiens ou par les épicuriens, qu'il puisse être utilisé par les ascètes, enfin les tenants de l'idéal ascétique ou par les tenants de l'idéal hédoniste, aussi bien par les sceptiques que les dogmatiques, mais de toute façon il est les deux, c'est-à-dire il est chrétien épicurien, c'est un ascète qui est hédoniste aussi parce que l'hédonisme est une ascèse, ou suppose une ascèse, c'est un sceptique qui est dogmatique aussi parce qu'il doute bien sûr, mais il doute comme Descartes le fera par la suite, de manière méthodique et pas seulement de manière systématique, enfin systématique systématiquement je veux dire, c'est quelqu'un qui considère que le doute est l'occasion de fabriquer des vérités et le doute est l'occasion de certitude. Donc le scepticisme est l'occasion du dogmatisme, le christianisme est l'occasion de l'épicurisme et vice-versa. Enfin, on pourrait voir comment il y a une pensée presque dialectique chez Montaigne et qu'à ne prendre qu'une thèse ou une antithèse, on ne fait que le travestir pour savoir comment il fonctionne véritablement. Il faut travailler sur la logique des flux ou la logique héraclitéenne. Souvenez-vous, je vous disais que c'était l'un de ses philosophes de prédilection dans l'Antiquité. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, simplement parce qu'il y a deux manières de l'aborder. Soit on utilise la métaphore du photographe ou la métaphore du cinéaste. Si on fait dans la logique du photographe, eh bien on ira prélever une image dans la totalité des essais. Si on travaille dans la logique du film, eh bien on ira chercher une pensée fluide, mobile, dynamique, et il faudra mettre en perspective. C'est donc une œuvre qui appelle au commentaire, qui appelle au commentaire dans le commentaire lui-même, qui appelle aussi au renvoi entre les textes. C'est donc une œuvre dynamique, une œuvre polémique, au vrai sens du terme, au polémos, la guerre, c'est une œuvre qui invite à ce qu'on réfléchisse les uns les autres à partir de ce qui est écrit en remettant en perspective telle idée, telle phrase ou tel concept pour voir la richesse qui se présente dans cet ouvrage majeur. Quelques prélèvements libertins, c'est-à-dire qu'au bout du compte,
On va faire de Montaigne un personnage problématique pour le christianisme. Il sera inscrit à l'index à l'évidence, comme Erasme d'ailleurs. C'est un personnage problématique pour quelle raison? Pourquoi est-ce que les libertins ont fait de Montaigne un philosophe qui s'en souffre? À partir des prélèvements qui sont les leurs, je vous disais tout à l'heure que, par exemple, Montaigne nous dit que nous sommes chrétiens comme nous sommes périgourdins ou comme nous sommes allemands. On est dans le Périgord, on est en Allemagne, on n'a pas choisi d'être allemand, on n'a pas choisi d'être périgourdin, on n'a pas choisi d'être catholique non plus. C'est pas inintéressant de voir qu'on n'est pas dans une logique universelle, il n'y a pas une universalité du christianisme, mais qu'il y a une particularité historique et géographique, et que serions-nous nés dans un pays où le bouddhisme est la loi, ou un pays où l'islam est la loi, eh bien on aurait été bouddhiste, on aurait été musulman. C'est une phrase extrêmement importante pour attaquer la logique de l'universalité chrétienne qui nous dit toutes les autres religions se trompent et seule la religion catholique dit la vérité. C'est un fer de lance considérable pour attaquer le christianisme officiel. Il nous dit par ailleurs, Montaigne, que le christianisme, comme Erasme, comme Lorenzo Valla ou comme d'autres qui sont des chrétiens épicuriens, il ne s'encombre pas forcément de l'Église, de la papauté, du Vatican. Il ne croit pas que la vérité de l'Église se trouve là. Et ils réduisent la plupart du temps le message évangélique à un message philosophique. Il y a une philosophie des évangiles, nous disait Erasme, pratiquons cette philosophie. Et être chrétien, ça n'est pas croire ce que disent les curés, les papes, les évêques ou les bonnes sœurs. Ça n'est pas aller à la messe le dimanche ou s'adonner à la confession. C'est très précisément pratiquer, nous dit Montaigne, la justice, la charité et la bonté. Pour le coup, il y a pas mal de gens qui peuvent trouver leur compte à ces invites éthiques. Justice, charité, bonté, c'est l'essentiel d'une espèce de morale universelle. C'est une façon de dire qu'il y a une morale universelle indépendamment des religions particulières. Ça ne peut pas non plus réjouir le christianisme. Même chose quand Montaigne, il écrit dans une période où la religion donne des guerres monstrueuses, on est dans une pleine période de guerre de religion, il dit évidemment la religion génère des vertus, et il énumère un certain nombre de ces vertus, et il ajoute mais elle couvre aussi beaucoup de vices. Quand il nous dit qu'il y a une grossière imposture des religions et qu'en même temps la religion sert à couvrir pas mal de vices, on peut imaginer l'usage que peut faire un philosophe de cette formule, en considérant que la religion, ça n'est pas non plus, ça ne dit pas toujours la vérité, que parfois il y a des implications politiques. C'est une façon de travailler à, du moins, l'amoindrissement de la théocratie ou la construction ou l'échafaudage d'une démocratie. Il y a des passages à lire et à relire dans l'Apologie de Raymond Sebond qui sont autant d'occasions de dire que la nature est merveilleuse, fantastique, extraordinaire, comme preuve de l'existence de Dieu. Je vous disais que le fidéisme de Montaigne n'était pas avéré, parce qu'un fidéiste n'est pas quelqu'un qui va chercher du côté des preuves. Par définition, il nie la possibilité des preuves. Il y a un essai de preuve de l'existence de Dieu chez le Montaigne qui nous dit que la perfection de la création est la preuve de la perfection de celui qui a créé cette création, du créateur. Donc, mais c'est aussi une occasion pour Montaigne de dire « excellence de la création ». Mais autonomie de la création, autonomie de la nature. La nature est intrinsèquement belle. Elle n'a pas besoin d'avoir été créée par Dieu pour être belle. Elle l'est absolument et totalement. Là encore, on n'est pas dans une logique panthéiste, on n'est pas dans une logique pas encore romantique ni néo-romantique, mais il y a un abord de la nature chez Montaigne qui n'est pas l'abord chrétien ou catholique de la nature. Même chose dans ce passage de ce long passage sur Raymond Sebond qui donne l'impression parfois d'être lourd, encombré d'un certain nombre de références sur les animaux. Il y a un vrai travail sur les animaux qui est considérable chez Montaigne. C'est l'un des premiers à nous dire que les animaux, j'allais dire, sont des hommes comme les autres, ou qu'il y a une part humaine chez les animaux, une part animale chez les hommes, et qu'il faut faire avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, là encore, une façon de prendre le christianisme à contre-pied, il n'y a pas un homme qui serait au sommet de la nature. La nature aurait été créée par Dieu, et puis au sommet de la créature, on aurait mis l'homme comme création superbe et sublime. Montaigne ne dit pas du tout, non pas lecture verticale et transcendante, mais lecture immanente. Il y a des animaux, ces animaux ont des comportements parfois très humains, et puis il y a des humains qui ont parfois des comportements très animaux. Une bestialité des hommes, voire l'inquisition, voire la torture, voire un certain nombre de choses pointées par Montaigne, qui considère qu'il y a des leçons à prendre chez les animaux. Eh bien, c'était déjà les leçons naturalistes que donnaient Diogène de Sinope et quelques autres qui ont considéré qu'il y avait des leçons à prendre dans la nature, et pas du tout des considérations
méprisante sur la nature. Le Descartes nous disant il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est pas du tout une idée de Montaigne, une idée pensable chez Montaigne. Si vous voulez le dire clairement, il y aurait une pensée technophile chez Descartes et il y aurait une pensée presque écologiste avant l'heure chez un Montaigne dans la théorie qu'il nous propose de la nature, mais sûrement pas une théorie chrétienne. Même chose au détour, comme ça, des analyses faites par Montaigne sur la religion. Il nous dit, en citant beaucoup Lucrèce, et les analyses que Lucrèce fait du christianisme, c'est considérable le nombre de citations de la nature des choses dans les essais, il nous parle de la déification en nous disant les hommes ont plutôt tendance à déifier ce qu'ils ne comprennent pas. C'est une façon de dire, allez voir aussi du côté de Dieu, et ce Dieu dont vous nous parlez, c'est souvent la réponse que vous donnez, réponse facile à des questions qui sont problématiques, qui restent problématiques, qui sont sans réponse. Donc, attention, dès que vous ne savez pas, vous avez tendance à déifier. Grande idée de la laïcité, grande idée de tous ceux qui cherchent à savoir comment Dieu est fabriqué ou ce que cache ce que d'autres appellent Dieu. Ça, c'est une idée qui fera long feu et qu'on retrouvera chez Feuerbach, par exemple. Mais on reviendra, on n'y est pas encore, mais on reviendra aux analyses que Feuerbach fait du christianisme, de la naissance du christianisme et de l'essence et de la naissance de la religion. On ne déifie la plupart du temps que ce qu'on ne comprend pas, leçon toujours d'actualité. Là encore, j'ai eu l'occasion de le dire, quelques petits passages où Montaigne critique le paradis des musulmans en nous disant qu'il est extrêmement ridicule, le paradis des musulmans, mais il ressemble étrangement au paradis des chrétiens. Et c'est une façon à ceux qui comprendraient que peut-être il n'y a qu'une seule religion qui est celle d'Abraham, dit Montaigne, et bien c'est une façon de considérer que les trois monothéismes disent à peu près les mêmes sottises sur le paradis qui n'existe vraisemblablement pas, du moins pas dans l'idée qu'on s'en fait, ce qui permet aussi à Montaigne de critiquer la survie après la mort en disant si quelque chose a lieu après la mort, ça n'est sûrement pas sur le modèle de la vie. Après la mort, c'est après la mort, on ne sait pas. Et il ajoute d'ailleurs qu'il n'y a pas de preuve pour l'immortalité de l'âme. Pas de preuve qui nous dise que l'âme est immortelle. Ça aussi, c'est une idée intéressante. Ça ne veut pas dire que l'âme est mortelle, mais ça veut dire que rien ne prouve qu'elle est immortelle, rien ne prouve qu'elle est immatérielle, rien ne prouve, il pense même qu'elle est très intimement mélangée au physique et à la physiologie, souvenez-vous de l'accident de cheval, c'est une façon que Montaigne a, toute fine et toute délicate, de nous dire, n'espérez pas après la mort, n'allez pas fabuler sur cette question du paradis ou de la survie, vous vous trompez vraisemblablement, et si quelque chose a lieu, c'est sûrement pas dans l'idée que vous en faites. Critique d'Aristote également qu'on trouve, alors ça évidemment vous imaginez bien qu'en plein XVIIe siècle c'est intéressant pour un philosophe de voir des critiques d'Aristote et de la scolastique, il le dit vite fait en passant, mais il nous dit c'est quand même le grand prêtre, c'est pas le mot qu'il utilise, mais enfin c'est quand même le grand maître de la scolastique. La scolastique c'est très exactement la philosophie au pouvoir, la philosophie dominante depuis longtemps, c'est la philosophie faite pour les philosophes, pour les théologiens, pour les discussions entre spécialistes, c'est très exactement l'inverse de ce que Montaigne souhaiterait. Localisation également, et là je prends ici et là en disant voilà comment un libertin peut faire, je vous disais tout à l'heure, prélever dans cette carrière à ciel ouvert, de quoi défendre les idées qui sont les idées du libertinage du XVIIe siècle, la localisation de l'âme dans le cerveau. S'il nous dit qu'il n'y a pas de preuve de l'immortalité de l'âme, il nous dit, il y a des textes là-dessus chez Lucrèce, moins chez, il n'y en a pas chez Épicure, enfin il y en a peut-être plus, mais on ne les a pas retrouvés, mais c'est du côté du corps qu'il faut aller chercher de la localisation de l'âme. C'est pas dit clairement, ça en ferait presque un matérialiste, et il y avait aussi bien chez Montaigne les critiques des atomes d'Épicure, il nous dit, on ne peut pas croire à ces trucs-là, Épicure, c'est pas possible qu'il croit à des choses pareilles, et puis en même temps, il parle des atomes qui circulent dans son propre corps, justement au moment de l'accident de cheval, donc il laisse croire que peut-être les atomes, c'est pas si faux que ça, et qu'on peut en faire un usage, pas forcément complètement épicurien, ou épicurien à la manière orthodoxe, mais je penche plutôt pour une matérialité de l'âme qui aurait à voir avec la localisation dans le cerveau. C'est du moins ce que Montaigne laisse croire quand on lit la narration qu'il nous fait de cet accident. Idée importante, idée qu'on retrouvera ensuite chez Pascal, c'est une idée majeure, elle est devenue quasi universelle, on la retrouve chez Nietzsche qui nous dit qu'il y a un relativisme absolu et pas de vérité universelle, ça aussi c'est une idée majeure en plein XVIe siècle. Les vérités d'aujourd'hui ce sont les erreurs de demain, il nous dit qu'il y a eu des erreurs hier qui sont devenues des vérités aujourd'hui et vice versa, c'est-à-dire ce qu'on a pris pour des erreurs devient vérité, mais ce qu'on a pris pour des vérités devient des erreurs, et qui nous dit qu'après tout ce que nous pensons aujourd'hui ne deviendra pas très vite et très tôt une erreur. Donc
faisons attention sur cette idée que la vérité, là encore, discours antiplatonicien, que la vérité, elle serait atemporelle, anhistorique, qu'elle existerait comme ça, dans l'absolu, dans un ciel des idées. Il ne nous dit pas du tout, une vérité, elle est incarnée, physiquement, historiquement, géographiquement, et ça c'est majeur, c'est très exactement ce que dira le marxisme ou le matérialisme dialectique un petit peu plus tard. Il y a des raisons historiques, il y a des raisons géographiques à penser la vérité n'est pas un absolu, c'est la cristallisation d'un relatif dans un moment donné de l'existence. Et puis, et je finirai sur cette question, parce que c'est un moment important dans l'histoire de la philosophie, la possibilité d'aller chercher dans l'empirisme, dans le sensualisme, des sources chez Montaigne. On peut trouver chez Montaigne des idées qui nous disent on ne connaît que par les sens, les cinq sens. Ce sont les cinq sens qui nous permettent de savoir qui nous sommes, ce que nous faisons, à quoi ressemble le monde. Et il n'y a de connaissance possible que dans la relation directe de l'individu au monde par la médiation de ces cinq sens. C'est considérable, c'est devenu une quasi-évidence aujourd'hui. Il a fallu du temps pour que ça devienne une évidence, mais c'est potentiellement dans les essais. Voilà une quinzaine d'idées pilloter donc dans les essais pour vous dire comment cette pensée est susceptible d'être révolutionnaire, comment elle peut générer une pensée libertine, cardinale et majeure. Je dirais pour quelqu'un qui est sceptique, eh bien ça fait quand même beaucoup de vérités révélées. On ne s'étonnera pas donc qu'en 1676, Montaigne soit mis à l'index, comme Érasme, sur lequel nous avons passé quelques séances. Donc l'index, c'est ce livre qui voit sa première édition en 1559 et qui permet au pape de nous dire ce qu'il faut lire et pas lire, enfin surtout ce qu'il ne faut pas lire, ce qu'il ne faut pas imprimer, éditer, vendre, diffuser. J'ai fait une petite liste, parce que je travaille pour un autre sujet sur cette question de l'index. J'ai quand même découvert, c'est quasiment la liste des auteurs de philo au programme, tous les auteurs qui ont été mis à l'index. Érasme, Machiavel, Descartes, Pascal, Malebranche, Fénelon, Spinoza, Locke, Berkeley, Hume, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Helvétius, Condillac, D'Holbach, D'Alembert, Lamettrie, Condorcet, Kant, Stuart Mill, Fourier, Proudhon, et puis plus récemment, Bergson, Beauvoir et Sartre. Ça s'arrête en 66, donc, parce que je crois qu'ils n'auraient pas arrêté de remplir leurs index des livres qui paraissaient. Il aurait fallu mettre le livre hebdo à l'index directement en disant, ben voilà, tout est interdit. Mais voyez comment Montaigne devient interdit et comment, à partir de professions de foi qui ont été catholiques, apostoliques et romaines, dites par Montaigne très précisément, on a fait de ce personnage un maître à pensée possible pour la pensée subversive, la pensée alternative qui deviendra la pensée matérialiste, hédoniste, etc. Il me semble que le legs de Montaigne est considérable, que ce legs est monstrueux dans l'histoire des idées et de la philosophie. Un certain nombre d'auteurs, je vous ai dit, Pascal, Descartes et quelques autres, on le sait, un peu, pas beaucoup, mais et pour d'autres, c'est considérable la façon d'imprégner la totalité de la philosophie. D'abord parce qu'il émancipe la philosophie de la théologie et de la scolastique, que ça se fait enfin après la Renaissance. C'est-à-dire autant la Renaissance nous présentait un christianisme épicurien. Je vous disais que Montaigne donne l'impression d'être plutôt dans un épicurisme chrétien, c'est-à-dire un peu moins de christianisme, un peu plus d'épicurisme, et on verra comment la part prise par l'épicurisme l'an prochain est une part qui est de plus en plus importante, donc comment on prend congé tranquillement et doucement avec le christianisme, émancipation de la philosophie, célébration des pouvoirs de la raison. Ça encore, ça paraissait évident. Je pense qu'aujourd'hui, en cette époque de retour de religion, ben, ça redevient d'actualité. On avait cru que les Lumières avaient fait le travail, que la philosophie de la Révolution française avait réglé le problème. Eh bien non, on est obligé de revenir au pouvoir de la raison, passer par-dessus l'école de Francfort qui faisait la critique de la raison. Cessons de faire la critique de la raison, revenons au pouvoir et au grand pouvoir de la raison pour fabriquer une pensée laïque. Alors la laïcité, c'est pas forcément une pensée athée. Moi, je tiens pour une pensée laïque et athée, mais il y a des pensées laïques qui sont chrétiennes aussi, en considérant que chacun chez soi, d'une certaine manière, et que cette laïcité, eh bien, c'est la condition de possibilité d'une séparation entre le citoyen, par exemple, et la personne privée, qu'on peut avoir la foi qu'on veut, les idées qu'on veut, pourvu que on garde ça pour soi-même, pour son intime et pour son moi réellement. Ce qui permet une éthique et une politique immanente, ça encore, vous voyez comment ce sont des pensées éminemment modernes, en plein XVIe siècle, pensées immanentes, éthique immanente, politique immanente. On considère que la politique, c'est pas fait par Dieu, pour Dieu, etc., mais c'est fait par les hommes et pour les hommes. On verra tout ça à l'œuvre, travailler le XVIIe siècle, l'an prochain. Je vous disais, si le Dieu de l'université populaire nous prête vie, mais on peut le dire dès à présent, sauf si je disparais d'ici là, mais autrement, même rendez-vous ici l'an prochain, ben, on ne sait jamais. L'an prochain, on verra comment toute cette pensée traverse
Et là, vous verrez, par exemple, la pensée de La Motte Leveillé, l'épicurien, donc le voluptueux Saint-Évremond, l'ironique Cyrano, le sage Gassendi, le célibataire, la célibataire Gabrielle Suchon, la grande chérie de Séverine, Auffray, que je salue, le génial Spinoza, son grand chéri aussi, l'athée, le curé Mélier, mon grand chéri à moi, et tous amateurs de Montaigne et d'Épicure. Voyez comment on a vu l'an dernier la résistance au platonisme comme une occasion de permettre Épicure et les épicuriens, comment il y avait une domination de la philosophie officielle, le platonisme, et une résistance qui était épicurienne. Eh bien, on a vu cette année avec ce séminaire comment il y avait un christianisme, des christianismes, il y avait un christianisme qui se fabriquait, et comment la résistance au christianisme se faisait aussi, encore et souvent, au nom d'Épicure. Donc on retrouvera la trace d'Épicure l'an prochain, avec le XVIIe siècle. On ne travaillera que avec le XVIIe siècle, début du XVIIe, Charron et de la vérité, et puis on terminera avec les imprécations de mon ami l'abbé Mélier, qui nous dit qu'il faut étrangler le dernier des bourgeois avec la tripe du dernier des curés. Eh bien voilà, merci pour cette année. C'était Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Aujourd'hui, le devenir libertin. Bibliographie, Paul Bonnefond, Montaigne et ses amis, Armand Collin. Marius Schiff, La fille d'Alliance de Montaigne, Marie de Gournay, Honoré Champion. Pierre Villet, Montaigne devant la postérité, Boivin. Maurice Rat, Préface à la Pléiade. Constant Vénézoen, Établissement, annotations et commentaires du promenoir de Monsieur Michel de Montaigne, Drose. Marie de Gournay, fragment d'un discours féminin, José Corti. Montaigne et Marie de Gournay, colloque de Duke, Honoré Champion. Martine Méral, Lobel.